ensemble. Et nous allons lire le psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 18. Et l'ignonti, psaume très court, verset 18, il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donc notre sujet se dit, Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles spirituelles. Amen. Comment le sujet nous dit? Ouvre mes yeux et mes oreilles spirituelles. Le psaume 119, verset 18, dit exactement, ouvre mes yeux pour que je contemple les lois de les merveilles de ta loi. Et dans la Bible, lui, second Corinthiens. Et ce verset est une prière pour nous dire. C'est une prière, et le psaume 1er, le psaume 119. C'est une prière qui demande à Dieu d'illuminer notre compréhension pour que l'on puisse comprendre et apprécier les enseignements de sa parole. Le psaume 119 est un psaume anonyme et au même relais, le psaume acrostiche. C'est-à-dire qu'il comporte 22 strophes de 8 versets chacune et les versets de chaque strophe commencent par la même lettre de l'alphabet hébreu. Et les 8 premiers et par la lettre, alors les 8 premiers strophes par la lettre A, les 8 suivants par la lettre B et ainsi de suite. C'est comme ça sonne. Même c'est pour raison de l'île, une somme qui est acoustique. Et l'interprétation de ce verset peut varier en fonction des croyances religieuses et du contexte personnel de chaque individu. Cependant, de manière générale, on peut dire que ce verset invite à la recherche d'une meilleure compréhension et d'une relation plus profonde avec Dieu à travers la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Donc, il fait appel, ce psaume fait appel à l'idée que l'appréciation et la compréhension des enseignements bibliques nécessitent une ouverture d'esprit et une révélation divine. En demandant à Dieu d'ouvrir nos yeux, nous sollicitons son aide pour nous guider, nous éclairer et nous permettre de voir la vérité contenue dans sa parole. Mais bien aimés frères et sœurs, est-ce qu'il y a une liaison entre les oreilles et les yeux et les oreilles? Donc non, il n'y a pas de liaison directe entre les yeux et les oreilles, mais les yon moun gen problème aveuglement spirituel et automatiquement l'a gen problème pour le côté, même sur le plan biologique. Li bay tendance alors gon problème yeux, li bon yon problème aussi et pourtant dire rapidement, mais bien aimé. Donc c'est le même aussi, lorsqu'on a un problème aveuglement spirituel, automatiquement, on a gagné un problème, n'est-ce pas, pour coûter les bons dieux par l'île. Donc c'est ça qui est important. Donc les yeux sont responsables de la vision, tandis que les oreilles sont responsables de l'audition. Cependant, il existe une connexion indirecte entre les deux, sens par le biais du système nerveux et du cerveau, qui permettent de percevoir et de traiter les informations sensorielles provenant à la fois des yeux et des oreilles. En interprétant ce verset, spécialement le psaume 119, verset 18, et certaines personnes peuvent le voir comme une invitation à la quête de la sagesse et de la connaissance divine, tandis que d'autres peuvent le voir comme une prière, comme je viens de vous le dire, pour une révélation personnelle et une illumination spirituelle. Dans tous les cas, et ce verset exprime une humble demande de guidance et une ouverture à la volonté de Dieu. Le verset 18 du psaume 119 nous montre que la Bible abonde en merveilles spirituelles, des merveilles qui sont voilées au regard superficiel. Il faut que Dieu ouvre nos cieux pour que nous puissions les voir. Il y a des choses qui sont voilées devant nous,
si bon Dieu pas ouvri yeux spirituels nous, la difficile pour nous voyons. Donc la Bible, en d'autres termes, est un GPS dont nous en avons besoin. Donc c'est GPS ça qui pourra le permettre nous et la guider pour nous comprendre exactement verset 18, l'ensemble verset 19 là. Donc le GPS là, nous pourra le premier GPS n'a pas utilisé, c'est GPS ça qui pourra le faire nous et n'est-ce pas arriver naviguer jusqu'à ce que nous arrivions sous Balaam, le nombre 22, nous pas prêter pile sous lit. Et c'est deuxièmement c'est GPS ça qui pourra le prendre nous la guider jusqu'à ce que nous arrivions dans l'homme aveugle du village de Bethsaïda. Et troisième façon GPS ça pourra le prendre nous la guider, c'est GPS ça qui pourra le prendre nous à travers la parole de Dieu, la Bible, son GPS qui pourra justement faire nous naviguer jusqu'à ce que nous arrivions sous l'eau, le neveu d'Abraham, selon Genèse chapitre 13, verset 1 à 13. Donc, pour ne pas arrêter trop, je vous dis, nous ne pouvons pas arrêter trop avec nous. Nous n'avons pas un seul GPS, nous ne prenons pas trois. GPS, troisième, nous apprenons et nous apprenons, qui était GPS là, mène nous exactement jusqu'à ce que nous arrivions dans l'eau. Le neveu d'Abraham, Genèse 13, verset 1 à 13. Donc, tenez ça bien. Le chapitre 13 dans Genèse, ouais, justement, parce que nous GPS, c'est trois bagages GPS, ça t'apprend à le faire, ouais, ma pour être seul et avec nous. Peut-être la semaine qui vient, nous avons tous les trois GPS. Nous avons yon, chaque dimanche, peut-être si nous avons temps. Tenez ça bien. GPS, ça prend la guerre pour nous, ouais, que yon moun, en d'autres termes, la Bible, mande nous pour nous ouvrir les yeux, nous. Et nous prenons le n'est-ce pas problème d'aveuglement spirituel et qui ça lit n'est-ce pas fait l'eau qui ça le fait l'eau et mais bien mes frères et sœurs le chapitre 13 et nous prenons l'eau juste là chapitre 13 la Genèse verset 1 à 13 nous présente l'office d'Abraham le frère d'Abraham n'est-ce pas le ou bien en d'autres termes et l'office d'Aaron d'Aaron c'est le frère d'Abraham l'y accompagné, n'est-ce pas, par oncle de sortir Mésopotamie, vivait Canaan, selon Genèse, chapitre 11, verset 31, chapitre 12, verset 5. Et il dit que l'eau allait avec tonton lit en Égypte et en revint exactement Genèse, chapitre 13, verset 1. L'eau est placée à la tête de grands troupeaux. Ses bergers se querellèrent avec ceux d'Abraham. Et ce dernier lui conseilla la séparation et invita à choisir des pâturages. C'est comme Abraham son sage et de bien. Donc, que toute division ça arrive, problème ça arrive, c'est pas lui créer problème. Yo, peut-être c'est à cause des trop troupeaux. Et bien maintenant, lui a une discussion toute ton bataille. Et il pensait que si bataille ça a demeuré ensemble, même lui même avec ti neveu, il prend un gros problème. Bon, il demandait, n'est-ce pas, il demandait l'eau neveu, lui. Donc, dégageons. Bon. Et ou mettre choisi quand on t'a voulu habiter avec Bétou avec monsieur yo moi-même m'a habité yon l'autre côté l'eau choisi l'elfin dit l'eau ça il dit que l'eau choisi égoïstement la fertile vallée du Jourdain et décida de résider à Sodome il ne tient pas compte du caractère des gens parmi lesquels il se fixait pas tenir compte comment mon Sodome yo mal à vivre mal devant mon Dieu. Donc, il y a des yeux égoïstement, monsieur fixé, regardé pour ça. Ni pas tenir compte les conséquences que leur exemple pourrait avoir sur sa famille. Ni pas tenir compte de ça. Mais il était resté personnellement, malgré la Bible, d'où il était personnellement un homme intègre et il s'affligeait de leur perversité. Ou n'est-ce qu'il était dans le temps où un groupe de monde qui vit mal, conscience qui a dit non tout le temps. Malgré ça, il a dans l'irrité. C'est 2 Pierre, chapitre 2, verset 8. Gardez 2 Pierre pour vous. Mais nous mettons l'air pour moi. 2 Pierre, chapitre 2, verset 8, pour vous exactement. L'eau a toujours été un homme intègre, mais qui était sans conscience spirituelle. Dieu fait sans conscience. Dans 2 Pierre 2, verset 8. 2 Pierre 2, verset 8. On nous lit ensemble pour nous ça. 2 Pierre 2, verset 8, il dit, car ce juste, ou t'as gardé ce juste, ou t'as prévu avant, ou t'as pressé l'eau, t'as parlé en l'air. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait personnellement, journellement, son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles.
Donc, soit le chapitre là, dans 2 Pierre 2, on va joindre exactement l'histoire de l'eau, donc le Nouveau Testament est révélé. Donc, il conscience, monsieur, t'es reproché complètement. Mais Dieu, t'es créé problème là. Dès pour quitter Jésus, bon bagage qui est important. Maintenant, l'eau va décider pour le quitter Abraham. Abraham, en tant qu'homme béni, un homme bon Dieu, parle avec elle directement. Bon Dieu, il déplace, quitte famille, quitte patrie, il prale avec mon Dieu, et puis il prend une nouvelle avec lui, pour mettre dehors avec lui. Avec une petite nouvelle comme ça, tu as dû coller avec tonton, parce que le Jean l'Éternel a béni tonton, et puis il t'a dit, côté tonton, m'a passé. Bon, égoïstement, à cause de Dieu, et nous parlons tout égoïste, ça, il commence exactement à partir de Dieu, monsieur. Et ma douille au côté. Jean l'or quitté mon Dieu, pas qu'on moun quitté la Jésus. Pour quitter Jésus, mais pour faire semblant, la voix bagaille marche bien ou la menti. Ah, ou pas la même. Et bien c'est de même aussi. L'or collé à un monde spirituel, à un monde sanctifié, à un monde qui est crête pour mon Dieu, c'est gros cause lié, il fait impact même sur la vie personnelle. Amen. Et bien on dit que, de pour quitter Jésus, ou bien, et. Faut n'ta même pas l'eau de jeune garçon ça, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 15, qui verset 16, et puis papa, il a papa bien riche, n'est-ce pas à l'aise, et puis il vient décider, on le, il dit papa, j'ai besoin bien, pam, dégage-o, n'est-ce pas, pour m'en bien. Et puis, tout que, c'est une métaphore, n'est-ce pas, de Dieu, et Jésus utilisé pour parler des mouns, qui marché avec bon Dieu, quitté bon Dieu, et puis jeune garçon quitté papa, quitté tout bien. Et puis là, le rive, il commence à gaspiller, au bal bien pâle, il mange bien dans la rue, il boue, il ne prend pas comme ça, il boue, il prend le clairin, il prend tout à fait, il prend plaisir, il bamboche chaque fille, il bamboche chaque plaisir, et puis l'argent fini, tous les amis qui étaient avec lui, tous les amis abandonnés, monsieur, et puis monsieur qui était pour côté, quand il vient arriver dans le stade, monsieur n'a pas mangé, on met à son belle histoire liée, dans Luc, mes bien-aimés, chapitre 15, et puis monsieur vient perdre tout l'argent, et puis quand il arrive dans la rue, il a été un junkie lié, mon qui va côté pour dormir, il y a un laisse et puis monsieur arrive avec là un pack cochon et puis il joint des cochons à manger et puis monsieur en quel monsieur dit il t'a voulu manger un cochon yo quel est ce cochon yo même qui pas venir monsieur. Donc on est qui déplacer le quitter la bénédiction qui était route de bénédiction qui était route papa le papa qui était béni il déplacer de la bénédiction et de pour quitter bénédiction c'est catastrophe là vous brali. Amen. Et puis, au dos, monsieur arrive à l'estade pour manger à cochon. Vous avez des gens qui étaient à l'aise là, qui bien. Et puis, il faut quitter grâce, bon Dieu. Je dis en pile là, nous comme ça. Nous quitter, bon Dieu. Côté d'un béni, nous pas vil. Les gens qui béni, nous pas aimer forme tête li. Nous pas accepter pour nous coller avec lui. Mais nous plus chita, moun. Ou pas, la société, nous plus aimer les gens qui font tripotaille. Les gens qui parlent les gens mal. Moun kap pale zin, vie parole sur moun kap bay menti. Moun lèl ranjou menti devant. On. Son pa spécial. Ou pa fouti pa prendre le menti, non? C'est seul prévoyance, c'est seul le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il faut découvrir moun nami. Nous plus chita, nous plus kole moun kap di vie parole, parler de garçon, parler de fille, parler de foyer écrasé, parler de moun, et vie parole qui pa gen rapport avec la Bible, et pourtant yon serviteur de Dieu, yon servant de Dieu, c'est kole moun qui sou bon Dieu ta doye. Est-ce qu'on l'a avem? Pa gen moun qui kole ak moun kap fait méchanceté, kap fait bagay ki mal, pour méchanceté pa arrive sou ou tout. Ah, nous bala. Oh, oh. Nous songez Jonas, il n'a pas besoin de arriver sur lui. Monsieur, prends le monté bâtiment Mounio, à cause d'un danger avec mon Dieu, un problème, une difficulté, une opposition avec mon Dieu, à cause de lui, ma chambre a perdu tout le bagage. Allez dans Jonas pour elle. Le bâtiment sorti pour crase à cause. Monsieur, en dehors de volonté, mon Dieu, bon Dieu, correspond avec lui. Et puis, monsieur fait toute machine, il a perdu marchandise. J'étais passé tellement là, mais après ce qu'il a secoué, pour bâtiment, pas final avec lui, obligé d'avoir jeté marchandise. J'étais à cause de Jonas. Regardez, mon Dieu, marcher avec lui, ou mettre pense à bien ou pas qu'à bien. Parce qu'il n'a pas gagné, ou prend un guide spirituel pour l'aider. Est-ce que nous l'avons? Et son gros technique lié, de pour arriver sur mon première fois, ou rencontrer avec lui, c'est de moun la parle au mal. Bon, bagay, m'a toujours dit, m'a dit ici souvent. Moi, dit souvent, et m'a prédit le kounya. Papa m'a toujours dit, et sous papa m'a, papa m'a toujours dit, ancien, toujours qu'on parole, il a dit. Il a dit que si bourrique là,
gratter testicule à dents parce qu'il pas gagne main c'est à dents li gratter testicule la gratter testicule li blesser testicule parce qu'il est dents et ben si bouk la a gratter testicule li blesser s'il joint testicule pas ou c'est manger la manger ah nous pas là avec moi manger la manger on dit de pour contre comme moun premier pour paraître c'est moun la parler mal dit bagarre dit te dit ceci tôt ou tard la manger testicule pas ou. Ah, nous parlons avec moi. La manger pour. Fuis tout le monde qui parle de mon mal. Même pas pour pas ouvrir pour lui, pour entrer la caillou. Parce que tôt ou tard, vous pourrez le passer en bas, même en bas. Vous passez en balle. Tôt ou tard, vous passez en balle. Donc, précaution. Précaution. Quelquefois, quand pile mon cap dit c'est mon qui fait yo et pourtant c'est revé à yo bon. C'est yo qui fait mon. Yo qui va mettre des mon. Yo qui dit t'es sous mon. Et pourtant sous terre de côté à parler c'est mon qui va mettre des yo. Ah ou pas là avec moi. Donc dégagez-nous pour nous servir mon Dieu. Et puis autour que l'eau la descend. Mais bien mes frères et sœurs, c'est forme n'est-ce pas? Et pendant la campagne de Kétor là au maire et ses alliés, l'eau fut pris, fut fait prisonnier. Et n'est-ce pas? Il dit sa libération au courage et à l'habileté d'Abraham. Si vous regardez Genèse 14, verset 2, rivet 14, et lit Genèse 14, verset 16. Eh bien, les frères détachés à Tonton, qui était un homme béni. Il y a un homme sanctifié, il y a un homme qui visionne, c'est bon Dieu. Et puis il détache chaque bénédiction. Hein, et puis Kounia, maintenant, il prend les messieurs. Pas d'abord venir faire la guerre, n'est-ce pas? Et puis il prend toute l'eau. Et parce que tu es toujours en guerre, c'était un pays, après envahi, pays, prend pays. Et puis comme l'eau lui-même, nous prenons le monde au côté de l'eau qui habite, qui fait avant. Et puis on prend l'eau maintenant, il va aller faire prisonnier. Qui moun qui prend le délivrer l'eau? Qui moun nous connaît? Qui moun? Qui moun qui prend le délivrer l'eau? Abraham! Qui prend le météo, il te donne 9 ailes, il prend 9 ailes. On est qui va garder, qui va guérir rancune. Quel pas dit. Il oublie comme si, bon niveau pour oublier, pour pardonner au monde, son niveau d'oubli. Ou passer, chiffon. Est-ce que nous là? Gosse Baga nous toujours dit qu'il prédicateur qu'on a c'est comme ça. Donc l'oubli net, oublier tout ça, ou pas j'en oublier. Mais le Saint-Esprit de Dieu qu'on passe chiffon son situation pour vous. Et que ce n'est pas que je m'appelle tout exhorté, la question de l'oubli, en parenthèse. Il y a un monde qui te mette poison pour vous. Et là, il finit de mettre poison, on prend le poison. Ou à l'hôpital, bon Dieu, il ne faut pas mourir. Ou tout encore, ou pas qu'à dire mon cher pour montrer que je suis bien, que manger l'homme encore. Je vais accepter ça. Ah, ou pas là avec moi. Ou prenez ça, ou comprenez ça, m'dou là. Bon niveau. Ce n'est pas parce qu'on a un problème avec mon nom, non, mais je ne vais pas manger le mot encore. Ou presque ça me le dit. Ya? Donc, tenez ça bien. Et mes bien-aimés frères et sœurs, ils prennent l'eau. Maintenant, et puis Abraham descend là, il met l'eau dehors. Pour quelle raison l'eau? Ils prennent l'eau. Parce que l'eau a habité Sodome. Tenez ça qui va le passer. Deux anges délégués à Sodome avertis l'eau. L'eau vient arriver, gon côté l'eau est arrivée. L'eau après tout le temps, dans le chapitre 19. Et puis l'eau commence encore à reprendre lui-même parce qu'Abraham te mette le dehors. Mais là, le côté la vive là, la vie drôle à Sodome. Et puis l'eau vive Sodome. Et puis gon ange, il y a deux anges délégués qui viennent dire l'eau, ville après l'anéantie. À cause, n'est-ce pas, l'attitude de la populace, de ces, n'est-ce pas, à ces étrangers, révéla à quel point elle le méritait. L'eau échappa à la catastrophe. Malgré l'eau, mais dehors, c'est vrai. Et puis, madame, il avait le bralé. Et puis, madame, l'eau virait les yeux, selon la Bible. Et puis, sa femme était prise dans le déluge du feu et de sel. Genèse 19, verset 24 et 26. Pour toute sa wap fait tente, l'eau, attendez l'eau, attendez l'eau. Il se peut bien l'éternel a pas la campille, l'eau, jodia, non à travers les ondes, à travers l'église évangélique bâtie de Windsor.
Sous près Genèse 19, verset 24, 26, soit après histoire ça. Et tant de ça bien. Pour tout ça, vous avez fait tête en l'eau. Pour vous, vieux bagage ça, vous avez tué tête pour vous. Vous n'avez pas utile ou rien. De côté la vie, vous avez pour le coincer. Vous avez besoin de Jésus quand même. Vous côté où la vie, matin, nous avons le sens de la vie. La vie a drôle. Quelquefois, la vie a tête en bas. La vie a gon bonne coupe, gon U-turn. Non, la vie a. Ou quelquefois, questionner la vie a. Ou pas qu'à jouer un sens li. Tant que Salomon t'a dit, l'Ecclésiaste chapitre 12. Eh bien, toute bagaille l'autre a fait été pour yoa. Quitte ton ton, quitte bénédiction ton ton. L'a fait été, détaché de ton ton. Il n'est pas utile l'eau en rien. Yo vini, yo kidnappé, yo prenne en otage. Yo prend tout bien l'eau. Yo prend tout à fait l'eau. Parce qu'il était égoïste. Zul te fait ça. Tendez ça bien. Les yeux l'ouvri. Ou pas quitter rien fait fort fait tintin dans la vie. Amen. Depuis ce spirituel ouvri, pas gen moun ki ka ébranlé ou, a fait moun pa mêlé ou, ou pas gen rien, ou pas pran temps pour faire moun. Ou pas gen rien depuis yeux spirituel ouvri, pas gen tintin ka fort fait tintin. Est-ce que nous l'avons? Parce que ça, vous comprenez, vous te connaissez, de vous la bénédiction, qui est quelques jours capable, c'est vrai, qui quelques jours qui a des problèmes, c'est vrai, mais de vous la bénédiction, de vous la bon Dieu, de vous la Jésus, même si je suis ta vie noire, il n'y a pas qu'à finir noire. Maintenant, gardez l'aveuglement de l'eau. Fais-le faire 5 actions. Aveuglement de l'eau, fais-le faire 5 actions. Gardez, premièrement, nous avons gardé ça, oui. Dans Genèse chapitre 13. Regardez verset 10. Mais c'est qu'action. L'eau regarda. L'eau choisit. Deuxième. L'eau s'avança. Troisième. L'eau habita. Quatrième. L'eau dressa. Cinquième. Et verset. L'eau regarda. Et verset 10. L'eau choisit. Verset 11. L'eau s'avança. Verset 11 toujours. L'eau habita. Verset 12. L'eau dressa, verset 12. Ou après la Bible pour là, le Genèse chapitre 13. Premièrement, gardez pour nous. L'eau regarda. Gardez, c'est porter les yeux, la vue sur quelque chose, en suppliant à voir, hein, en faisant preuve d'une certaine attention. L'eau est convoitée par ses yeux. Selon 1 Jean 2, verset 16, il dit, la convoitise des yeux et l'orgueil vient du monde. Et selon Matthieu chapitre 5, verset 29, il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ouais, Zio, qu'on faut vivre mal, Zio, qu'on veut servir mon Dieu, et pourtant, Zio a fait un tintin. Et si on ne peut pas contrôler les yeux, c'est une pique au bagage pour contrôler les yeux dans la vie. Est-ce que nous là avec nous? C'est quoi qu'on sait, oui? Dieu l'eau regarda. Dieu le fait tomber dans la tentation. Mais bon Dieu dit, il y a un bon verset là, je dis. Là, 1 Jean 2, 7. Que pour Dieu, tu as fort quitté bon Dieu, puis tu as arraché grand Dieu. Il n'y a pas regardé pour elle, mon ami, où elle voulait faire détacher de bon Dieu. Là, ça, tu as été possédé. Si tu as allé courir, quitter ça. Courir, quitter. Parce que le monde qui est détaché de bon Dieu, la vie n'a pas passé bien. Est-ce qu'on est là avec moi? Et c'est exactement sous forme métaphorique. Et selon 2 Corinthiens 5, 17, il dit, marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi, mais puis nous marchons par les yeux, nous. Ouvre tes yeux. Ouvre vos yeux. Ouvre les yeux, nous, pour nous garder autour de nous, parce que nous vivons le monde tête chargée. Nous gardons de jour en jour, le monde devient plus grave, plus terrible. Ou besoin de ce spirituel ouvrir pour comprendre ce qui a passé dans le monde actuellement. Deuxièmement, nous sommes gardés de l'eau, regardez. L'eau campée, les totons disent l'eau, petit garçon. Nous ne pouvons pas dire que nous avons choisi. Et puis l'eau, égoïstement, les garder, il faut observation. On lui dit, c'est là, ma prend. Parce que, il prend. Et puis l'eau choisit la plaine du Jourdain, la plaine fertile du Jourdain. Côté qui est bien arrosé, côté qui normal là,
et puis l'eau prend l'eau choisit égoïstement li web plein na osé gen bagay gen côté ou est bébé et pas c'est pas bien bon non c'est baisser bas est-ce que nous là avec moi et pas tout côté penser bagay la pral bon pour ou pral entrer ou pral faire succès bagay ou pral marcher bien le regarder c'est un maquillage lié oui li pas rien sérieux vrai non c'est là vous ou pral effondrer là vous oui et bien l'eau est la pleine du jour elle dit bon là si me prend ça là la vie me changer non là vous pas changer là vous pral mais stop yo pral prend hein. Comme prisonnier, on va passer en pile mise en otage. Donc, bien mes frères et sœurs, deuxièmement, l'eau choisie. Il faut l'eau maintenant, fin de garder. Et puis maintenant, texte là d'où l'eau choisie. Qui ça choisit? Choisir, c'est adopter, sélectionner selon une préférence. Et l'eau, en d'autres termes, nous avons dit l'eau choisie, l'eau trier en créole, l'eau trier ça pi bon, aveuglement spirituel. Pas qu'à faire choisir, ça qui bon, hein? C'est pas son pensel. Trier la plaine du jour de par ambition, sans tenir compte des principes de la loi de Dieu, pas qu'à faire réussir. Est-ce que nous l'avons? Mieux vaut choisir la chaîne de mamré avec Dieu qu'au choisir la chaîne, la plaine du jour de sans Dieu. L'homme fin choisit la plaine du jour de côté qu'à oser, qu'à bas pied, bois, belle fouille. Il prend et puis il quitte carrière. Il y aurait ce côté Abraham qui prend lui-même chaîne de mamré. Chaîne de mamré, son bonne chaîne de montagne, coloros, calé. A bonne zop, roche là-dedans. Oui. Et il faut aller prendre tout côté qu'à oser. Abraham même prend la chaîne de mamré. Est-ce que nous là avec moi? Pour dire l'église, attendez-moi. Mieux vaut choisir la chaîne de mamré avec Dieu. Au lieu où tu as choisi la plaine du Jourdain sans Dieu. Que de côté où tu vivre, que de côté oui, où est misère, c'est vrai. Mais dans le nom de Jésus, où mettre là Jésus, avec Jésus, n'a fait exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et pourtant, n'est qui prend chaîne mamré à Dieu, c'est lui qui prend le délivré, n'est qui prend la plaine du Jourdain sans Dieu. À nous parler avec moi. C'est nek qui prend une carrière wash, tête colorée wash, mon ça. Il prend avec bon Dieu. Mais nek qui prend côté carosa sans Dieu, côté carosa pas utile rien. Et pourtant, le problème côté carosa, c'est nek qui te prend tête wash, mon avec bon Dieu, qui prend le descendre mon nom, qui prend le délivrer, monsieur. Est-ce que nous là avec nous? Mais bien, mes frères et sœurs, mieux vaut choisir, mon Dieu. Même le moment du bagaille noir, nous ne connaissons pas toujours dit, nous ne connaissons pas qui ça l'année 2024 après le poté pour nous. Mais nous ne connaissons toujours dit, depuis, nous ne pour qui raison, depuis 31 décembre, dans l'esprit, depuis avant même, et la fin décembre, dans l'esprit, mais bien, mes frères et sœurs, nous ne connaissons pas qui ça 2024 là après le poté, mais dans le nom de Jésus, ça le pota. Si elle t'a poté founèze, n'a vivant dans founèze là, n'a boué de l'eau dans founèze là, n'a pris la joie dans founèze là, n'a pris la paix dans founèze là, n'a témoigné en founèze là, parce que gauche m'en pile, mais bien aimé dans 44, français mélodie joyeuse, lui dit dans deux vers pâturage et l'ombrage doux, Dieu dirige ses chers enfants, où les eaux paisibles rafraîchissent partout, Dieu dirige ses chers enfants, soit par un chemin sombre glissant, soit par la fournaise et tout par le sang, mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant. Amen. Avec bon Dieu, même les tempêtes, tu voulais passer 2024 là, vivre. Bazan Milan m'a dit en vérité, ma vivre. M'attendez-nous. Dis en vérité, ma vivre. Ma vivre. Soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tout par le sang. Mais dans l'affliction, ma bouche, dans l'affliction m'a chanté, dans l'affliction m'a adoré, dans l'affliction que m'a content, dans l'affliction m'a témoigné. De l'affliction. Gloire à toi, Jésus. Après l'eau fin, regarde l'eau choisie. Qu'on a choisi, il prend. Et puis l'eau dit bon, tonton. Nous choisis là, oui. Et puis, troisième action, l'eau fait, l'eau s'avance à. L'y garder, l'y choisir, et puis là, l'y participer là. L'y avancer.
Avancer, c'est se porter en avance. Faire une priorité de la succession spatiale. L'eau a valé terrain en créole, la pré-terrain. L'avancer. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 28, il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde, mais s'il perd son âme? Que sert-il à un homme pour gagner tout le monde, mais pour perdre une âme? Avancer, l'eau n'est pas bon pour lui-même. Toute avance, orgueil, forfait, c'est bac ou fait. Attendez bien. Toute avance, orgueil, forfait, c'est bac ou fait. Comme il était orgueilleux, n'est-ce pas? Pour le valer terrain, pour le peuple du Jourdain, et pour ne pas utiliser rien, c'est bac qui fait. Il perdit tout à fait. Est-ce que nous l'avons? Qui s'aimerait dire comment reprendre? Toute avance, orgueil, forfait, c'est bac ou fait. Ou pas qu'à avancer sans bon Dieu. Vous m'attendez? Ou pas qu'à avancer sans bon Dieu. Quatrième bagaille là, l'eau est sortie, l'eau regarder, l'eau choisie, l'eau avancée. Quatrième élément, l'eau habitée, l'eau habitat. Habiter, c'est être s'installer en un endroit et forme figurée, y résider dans, demeurer et séjourner, vivre en un endroit. De l'eau habitée. Parce que vous causez. Peut-être de l'eau qui n'a habité, mais elle n'est pas citoyen. Ou qui n'a habité Canada, ou fait quelque temps, mais on pas un citoyen parce qu'on pas construit, ou pas ceci, ou pas cela là-bas. L'eau habitée, Kounial, sait-il bien? L'homme de Sodome l'y habité. Est-ce que nous l'avons? Ah, habiter n'a pas fait rien pour l'eau, résider. L'eau qui doit résider pour quelque temps, demeurer, séjourner, il vit dans un endroit à l'entrée de Sodome. Mais on l'a quand même, il m'a dit, m'a déplacé, m'a là, m'a. Ok? Et bien, cinquième action, l'eau pral fait, il pral décider, ah, quelle est l'eau habitée pour tout bon. Trois, quatrième, cinquième action, hein, texte l'a dit que l'eau dressa. L'eau dressa, il dressait. L'eau qu'on a dressé, dresser, c'est élever, construire, installer, dresser une tente. L'eau se faisait, n'est-ce pas, habitant de Sodome. Position d'autorité. Et si vous regardez la Genèse 19, verset 1er, elle regarde aussi la Genèse 13, verset 12, il y a d'où l'eau habitée à l'entrée de Sodome. Habiter à l'entrée de Sodome, ça signifie, pour moi-même avoir longtemps, qui te connaît, chaque ville où entrer. L'eau va entrer Gonaïve, de vous prendre l'entrée, c'est notable qui habite à l'entrée. L'eau prend l'eau caille. C'est nos tabios. L'opra le vieux Boudakin, c'est nos tabios. Premier monde pour joindre à l'entrée ville là, c'est Kaï, nos tab, Kaï, chef. Donc, en d'autres termes, orgueil fait l'ovin ou habitant spécial ou habitant qui a autorité de la ville de Sodome. Parce qu'elle habitait à l'entrée. C'est longtemps, elle était comme ça, je ne sais pas, qui j'en peux, qui j'en peux, inouye, mais longtemps en Haïti, c'était nos tables qui étaient habités à l'entrée de la ville. L'eau fait être citoyen, il occupe une position d'autorité. Tellement l'eau sent-il qu'elle est bien dans Sodome, l'eau qu'elle est une chef à Sodome, l'entrée de la ville. L'eau vient citizen, ce n'est pas dresser, dresser, petit caille, construire petit caille, ce n'est pas résidence, ce n'est pas résidence, non. L'eau dresse à sa maison, l'eau vient citizen. Comportement, mon côté, l'eau tape vivre. Là, tu es attristé. Comme nous sommes lits dans 2 Pierre chapitre 2, verset 7-8. Ou à l'île la caillou. Mais ambition, aveuglement, fait l'habiter à l'entrée de Sodome quand même. Malgré le comportement, vie, il n'y a pas de bon pour lui. Il s'est frustré, il s'est attristé. C'est vrai. Mais comme il est orgueilleux, il a besoin de folie richesse, de folie entrée, de folie grand-pampan, de folie grandeur. Eh bien, il fait que. N'est-ce pas? Li prend vieille ville ça a parmi tout le monde ça cap vivre mal. Moi me dou aujourd'hui ou pas fouti béni ou pas fouti fait exploit tout bon vrai. L'or entouré ou ak moun mauvais gens, moun cap vivre mal, moun qui pas connaît, qui pas veut rester dans bon Dieu. Moun cap fait zak, moun cap fait mal
pas gain aucun côté pour aller. Est-ce que nous là toujours entouré de tête tout avec mon cap la prière, mon cap chercher bon Dieu. Donc c'est ça qui vient l'eau. Et nous venons comprendre que le psaume 1er, verset 1er, dit non bagaille. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, n'est-ce pas, s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel. Heureux moun, la Bible dit. L'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, l'entoure avec méchants, l'entoure avec mon qui a bon vieux conseil, qui a mon qui bon conseil, l'on pense que son bon conseil, son conseil pour détruire, parce que rompir le monde dans la vie, il y a un monde échoué pour réussir eux-mêmes. Il y a des conseils, l'on pense que c'est bon conseil, il y a un bon conseil pour aller ventrer la ville. Il prend précaution, eh bien l'eau allait ventrer la ville. Moi, invité après-midi, vous besoin d'un monde pour qu'il ouvre Géo. Et monde ça, il relait comment? Jésus. Il était mort pour à la croix. Il était pour la vie éternelle sans te verser. Et je dis, c'est grâce à merveille, miracle ça, hein? Nous réunis en mémoire de lui. Nous pourrons participer de la Sainte Seine. Et vous besoin d'un monde pour qu'il ouvre Géo. Au pape, mes bien-aimés, ou pas déçu l'on quitte le guide. Parce que les gens qui quittent Jésus guide, puis déçu dans la vie. En définitive, le psaume 118, 119, verset 8, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et verset ça, c'est un verset de prière, comme je viens de vous dire, du psaume demande à Dieu d'ouvrir ses yeux spirituels pour qu'il puisse voir les merveilles de sa loi. Cela nous enseigne que nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour comprendre et apprécier pleinement sa parole. Selon Luc chapitre 24, verset 31, alors, le texte là dit nous, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et son bel passage lié, côté Jésus a marché après résurrection, et puis il a marché avec M. Maïsio. Et puis, il y a balé par dans tout chemin. Et puis, il y a parlé à Jésus comme ça. Il va même continuer Jésus. Il dit, mais frère, moi, autant de qui ça se passe là, il y a été crucifié innocent. Il s'est levé, oui. Autant de ça. L'autre a dit, autant de ça. Et quand même, Jésus dit, il a dit, il y a comme ça. Ah, mais monsieur, autant de ça, autant de tout, oui. Autant de tout. Et puis, il y a arrivé côté là, où le chemin, il y a fait chemin. Il y a arrivé là pour entrer la caillou. Et puis, il y a entré, après l'entrée. Mais il a dit, non, mon cher, nous sommes sur la route, là, marcher longtemps. Peut-être vous fatiguez, gagou. Et pour pas continuer de faire chemin, entrez pour venir pour manger avec nous, non. Entrez, nous venons pour venir goûter avec nous, pour continuer chemin. Jésus dit, n'est-ce pas, il n'y a pas qu'on conseille Jésus, non. Jésus dit, n'est-ce pas, non, mon cher, monsieur, pas entrer, pas loin, pas forcer Jésus, non, forcer Jésus. Allez, le texte là, oui, moi, dans Luc 24, ils sont belles histoires, oui. Et puis, forcer Jésus à entrer. Il y a un il faut aller manger, mon cher. Son route longue, moi, fait, mon cher. Selon ça, on dit, quand on peut aller là, mon cher, la plan. Vous êtes fatigué goûter avec ma propre chemin. Et puis, on force Jésus, donc Jésus a accepté l'entrée. Il y a Jésus pain, il y a Jésus bagaille pour le bois. Ce n'est pas que Jésus levé bagaille là, la prié pour lui. Et puis, ce n'est ouvre avec Jésus, il a rencontré face à face. Que des merveilles, que des bagailles fait dans mon Dieu. Mon Dieu, pas foutu par vos yeux. En vous parlez avec moi? Que des merveilles, que des miracles. Que des gens comprennent mon Dieu, que des gens longent, même avec mon Dieu. Il ne va pas foutre par lever mes mains, il ne va pas foutre par délivrer, il ne va pas foutre par ouvrir les yeux, ouvrir les petits, ouvrir les familles. Que des catastrophes qui ont passé dans la famille, il ne va pas foutre entrer dans la famille par où, ou même, la passer dans la famille par l'autre monde, mais ce n'est pas la famille par où, parce que mes ouvrir, quand ouvrir, pour longer même avec Jésus. Est-ce que nous pas là? Et là, il y a un gars qui dit, Jésus, il dit, ouais, mais Jésus va. À l'instant même, Jésus disparaît sous vous. Si vous ne pas faire ça, il y a une chance pour vous voir qui vous a parlé. Vous avez marché grâce à gloire. Côté où, vous ne pouvez pas saisir gloire. Vous avez marché avec délivrance sous tête où, vous ne pouvez prendre. À cause du geste que vous avez besoin de faire dans mon Dieu. Quelquefois, fort, et ça me dit tout ça, sous quelquefois, si bon Dieu, si bon Dieu, pas te, n'est-ce pas, t'es négligent, ou t'es gaspillé déjà. Et ça fait moi ma voix, nous ne pas négligent. Pour nous servir, mon Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, ouvrez les yeux spirituels, non. M'a dit Jésus, pour ouvrir les yeux spirituels, non.
Cela nous montre que demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels peut nous permettre de voir et de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. Dans Actes 28, 26, verset 18, et le roi prétexte a dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Et puis la prière pour qu'ils fassent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, dans ce verset, Paul rapporte la mission qui lui a été confiée par Dieu. Il mentionne, n'est-ce pas, que Dieu ouvre les yeux des personnes afin qu'elles soient délivrées des ténèbres à la conduite et conduites à la lumière de Christ. Cela souligne l'importance de demander à Dieu, n'est-ce pas? Les gens qui ont un problème avec le monde spirituel, automatiquement, ils ont un problème pour le côté les bons dieux par l'île. Vous avez dit ça déjà. Et toute désobéissance, toute force n'a fait avec bon Dieu, c'est parce que nous pas oué spirituellement. Toute division qui gagne dans mitan nous, yo, c'est parce que nous avons un problème de cécité spirituelle. Donc bon Dieu voulait ouvrir yo. Mais bal chance pour l'ouvrir yo. Il y a pile baga ou pas bénéficier parce que yo pas l'ouvrir. Il y a baga oué et pas ouvrir, c'est rêver allié. Pas entrer tête ou là-dedans sans yo pas l'ouvrir spirituellement. Lorsque camper de la parole de Dieu, de la méditation, les yeux, lorsque chercher mon Dieu, de la prière, l'impossible pour faire n'importe choix dans la vie. Quelquefois, les yeux nous pas ouvrir, nous fait choix. Madame, nous fait choix. Marie, mauvais monde nous prend dans la vie. Nous. Et pas deux mondes, c'est la folie, on a gardé. Nous gardons belles corps, nous gardons belles faces, nous gardons belles comment, nous gardons belles yeux, nous gardons. Quoi qu'on sait, c'est passion seulement, c'est émotion qui a mené nous. Et pourtant, et la beauté qui est beauté ne vient pas du visage, mais vient du cœur. Il y a des gens qui ont bien un beau visage, mais quel sale. Hein? Nous pas la même. Quelquefois, nous prenons tout coup ça, et ça fait nous un foyer, nous avons des problèmes, famille, nous avons des problèmes, parce que tout choix n'a fait ses choix émotionnels, nos sentimentaux, nous pas analyser rien. Ce spirituel nous pas ouvrir n'a pas un coup et ou prend premier coup ou prend deuxième coup ou prend troisième en vérité sous pas vinn quitter mon Dieu ouvrir yo ou prend millième coup jusqu'à ce qu'on mourir dans prend coup nous pas la même quelquefois son seul coup doit prendre l'on vinn prend coup dit c'est m'pas mon deuxième coup guider la vie moi ouvrir Dieu moi parce que va qu'avoir marcher avec mon habillé va qu'avoir marcher une façon extraordinaire. Apparence qui gagne, l'homme est en noir. Apparence, regardez, non, c'est si bon Dieu t'a fait que moun, pour te voir que noir, que bleu, que rouge, et pas de cause, que quelqu'un même, et puis qui te rouille derrière, que sale, que fatra. C'est Dieu pour qu'il ouvre, pour servir bon Dieu, ça n'a pas l'eau là. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, dégagez-nous. Dégagez-nous, demandez bon Dieu, l'ouvre les yeux. Mandez bon Dieu l'ouvre yeux. Et afin que pour nous capables de vivre, pour nous capables de vivre bien. Je dis à premier dimanche de l'année. Vous t'avez même pour faire toute voix, machin Dieu l'ouvre. Mais des bagages qui te choisi dans la vous priez sur lui. Et pour mon Dieu craser. S'il n'est pas bon pour le craser, vous pas aventurer là-dedans. Vous êtes rentré trois fois, 50%, 75%. Hé, comment là? Dis pas aventurer. Parce que des bagages qui rentrer là-dedans, c'est l'amour qu'on va chercher. Il y a Dieu. Wap mouri. C'est pour quitter pour Dieu. Ouvrez yeux. Je pense que c'est beauté, c'est pas beauté. C'est l'aideur au bras de joindre. C'est bagaille mal. C'est pour quitter bon Dieu. Mettre sous genou. Dis Seigneur, direction ça m'apprend. Côté m'bral là, Seigneur Dieu. Ak moun sa m'bral fait vivre non. Même dans ma vie maritale ou si vous pral remè, ou pral marié. Même là où te baye, jou mariage ou. Commence à prier pour mon Dieu pour toi. Et que crase mariage ça. Parce que vous pral perdu la vous. Bien-aimés frères et sœurs, ouvrez les yeux pour nous chercher, mon Dieu. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu bénisse.